te rends compte? Tu te rends compte du désordre que tu as provoqué avec cette histoire? Les braves gens dont tu as abusé. La foi de toutes ces personnes qui sont venues ici pour assister à ton spectacle médiocre. Tu penses que ça vaut la peine de continuer? Écoute bien. Ce sont des choses qui arrivent aux jeunes filles. Ça commence par un petit jeu et ça grossit. Mais voilà, à un moment donné, il faut y mettre fin. Alors dis-nous, Conchita, et sois sincère. Est-ce que tu as vu la Vierge à Saint-Sébastien de Garabandal? Non. Tu en es sûre? J'en suis sûre. Je n'ai jamais vu la Vierge. Tout ça n'était qu'un mensonge de toutes les quatre. Bien. Finissons-en. Signe en bas de la page et tout ceci n'aura été qu'un mauvais rêve. Regarde un peu l'élégance du brigadier. Il va être promu à ce qu'il paraît. On va peut-être l'envoyer dans un endroit meilleur qu'ici, à Madrid. Vous allez où? Par là. Conchita, tu ne peux pas cueillir des pommes comme ça. Tais-toi, si la femme du maître t'entend, elle va le répéter à ma mère. C'est pas la peine de courir. Conchita, va voir un peu dans le verger. Les petites sont au fond des pommiers.
Des pommes qui ne nous appartiennent pas. Notre pauvre ange gardien doit être maintenant bien triste et le diable bien content. Jetons-lui des cailloux. Conchita, qu'est-ce que t'as ? Conchita, qu'est-ce qui se passe ? Conchita ? Enfin, les filles, d'où venez-vous ? Eh bien, on est allé cueillir des pommes dans le verger. Et ça vous a mis dans cet état ? C'est que... C'est que... En fait, on a vu un ange. Un ange ? Ne vous en faites pas. Demain, je leur parlerai. Et après, je parlerai aux autres enfants. Monsieur le brigadier, je ne doute pas du tout que vous le feriez très bien, mais je préférerais que vous me laissiez leur parler d'abord. Je les connais très bien, vous savez, je suis leur institutrice. Peut-être que ce n'était qu'une simple plaisanterie des garçons du village. Moi, je dirais plutôt qu'elles ont une imagination débordante. Mais bon, je vous laisse décider. De toute façon, on en reparlera. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va demander pardon à Jésus. Dites les filles, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez réellement vu un ange ? Oui, c'est vrai, madame. Les filles, dites-moi, vous n'êtes pas en train de mentir. Non, madame, non. On a vraiment vu un ange. Bon. Maintenant, nous allons aller à l'église. Nous allons prier Jésus Eucharistie. Et nous allons nous recueillir auprès de lui. Venez. Conchita, combien de fois je t'ai dit qu'il fallait rentrer avant la nuit ? Maman ? Avec ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et en plus, tu rentres tard. Maman, c'est que... on a vu un ange. Tu rentres tard et tu racontes des mensonges ? Ben, tu sais, c'est vrai, j'ai vu un ange. Écoute-moi bien, Conchita. Que toi ou tout le village, vous ayez vu un ange ou la Vierge Marie, ça m'est égal. Tu ne dois pas oublier tes obligations. Et si je te dis de rentrer avant la nuit, alors tu rentres avant la nuit. Maman, je te jure que c'est vrai. Arrête de jurer, c'est un péché, Conchita. Dis-moi, je te prie, pourquoi tu arrives en retard ? Eh bien, j'étais à la Calleja avec Racinta, Marie-Cruz et Marie-Loli. Et on a vu un ange, maman. On aurait dit un enfant, mais... Arrête avec toutes tes histoires. Tu aurais cette attitude si ton père était encore vivant ? Maman, je te dis la vérité. Mais oui, bien sûr. Écoute-moi. Si je te dis de ne pas rentrer de nuit, tu ne rentres pas de nuit. Et je vais te dire autre chose. Tu iras au lit sans dîner ce soir. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe avec ces filles pour me faire venir avec autant d'urgence ? Bah, c'est pour l'histoire de l'ange. Elles ont certainement vu un gros oiseau, elles ont pris peur, c'est tout. Oh, les pauvres. Elles étaient toutes pâles, toutes tremblantes. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Oh, oui. Je leur parlerai. Ça doit certainement être un jeu entre ces jeunes filles. Père Valentin, ne vous inquiétez pas non plus. Regardez qui arrive. Monsieur le brigadier.
Vous allez voir qui va résoudre le problème. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour, monsieur le brigadier. Monsieur le brigadier. Heureusement que vous êtes venu. Vous êtes arrivé à temps, hein, parce que nous avons un problème avec cette histoire de petite fille. Bah, je suis sûr que c'est une fausse alerte. Rassurez-vous. Ce n'est certainement rien. Ne vous en faites pas pour ça. Bah, j'espère bien. Et en ce qui concerne l'histoire des jeunes filles, rassurez-vous, mesdames. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ce sont des enfants. Il ne faut pas accorder trop d'importance à ce qu'elles disent. Bah, en parlant d'elles, regardez, elles arrivent. Père Valentin. Bon, je suis. Allons-y. Regardez, mesdames. Jacinta, Marie-Cruz. Alors, comme ça, vous avez vu des anges? Non. Vous me rassurez. Non, on n'a pas vu des anges. Ce qu'on a vu, c'est un seul ange. Il ressemblait à un enfant très fort. Je vais vous dire, les filles, vous vous trompez. Vous allez tout de suite aller à l'église et vous direz aux gens que... On a vu un ange, il n'y a pas de quoi avoir peur. Bon, ça suffit. Écoutez, Conchita Gonzalez était avec vous, n'est-ce pas? Bon, alors on va aller lui rendre une petite visite, et puis on verra bien ce qu'elle nous dit. Père Valentin? Ouais, allons-y. Mesdemoiselles? Conchita, voyons voir. Il y a ce qu'il paraît des jeunes gens qui voient des anges maintenant. Et par-dessus le marché, il y a leurs parents qui me disent qu'ils ne veulent pas aller travailler, et que c'est moi qui leur ai mis toutes ces idées en tête. Je t'ai pourtant appris qu'il ne fallait pas berner les personnes. Je t'ai répété 1000 fois qu'on ne pouvait pas mentir. Alors s'il te plaît, dis-nous exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas menti, Père Valentin. Je ne sais pas comment l'expliquer. On a vu un ange. Il ressemblait à un enfant, mais il était très très fort. Très fort. Très fort, mais qu'est-ce qu'elle dit? Si vous continuez avec vos bêtises, on va devoir appeler la garde civile. Elle vous interrogera et elle vous mettra en prison pour avoir menti. Pas vrai, monsieur le brigadier? Oui, bon. Je crois que monsieur le juge a des choses plus importantes à traiter que la dernière partie de cache-cache entre ces quatre filles. Parce qu'il s'agissait bien d'un jeu, pas vrai? Oui, c'est vrai, vous avez raison, on faisait un jeu. Mais on a bien vu un ange, on ne ment pas, vous devez nous croire. Bon, alors on va laisser passer 2 ou 3 jours pour voir ce qui se passe. Et si l'ange apparaît, tu lui demandes de ma part qui il est et pourquoi il est là. Lui, il est encore plus fou qu'elle. Bon, Père Valentin. Tu vas arrêter ce petit jeu, ma fille. Tu ne te rends pas compte du problème que c'est pour ta pauvre mère? Qu'est-ce que tu veux, la faire mourir de chagrin? Tu sais, ce n'est pas un jeu. Père Valentin, toute cette histoire pourrait très mal tourner. Et à propos, vous en avez déjà parlé à votre évêque? Pas encore, non. Par-dessus le marché, on n'a pas d'évêque, nous. On a seulement un administrateur apostolique. Monseigneur Alfaro, il s'appelle. Et en parlant de lui, il voudrait nous voir tous les deux. Père Valentin, moi, ces affaires d'église, j'y comprends rien du tout. Mais j'ai comme l'impression que tout ça va beaucoup trop loin. Comment vous retrouvez-vous au milieu de cette histoire? Vous avez été promu brigadier pour surveiller des jeux d'enfants dans un village perdu? Monseigneur, ça me fait plaisir que vous ayez une bonne opinion de moi. Mais ça m'est tombé dessus l'autre jour complètement par hasard. Quoi qu'il en soit, eh bien, le fait qu'une grande quantité de personnes prennent le chemin d'un village qui, comme vous le savez, appartient à ma juridiction, m'oblige à faire quelque chose, vous comprenez? Je crois que c'est une raison plus que suffisante pour intervenir. Bon. Allons droit au but, non, Père Valentin? Pourquoi je reçois autant d'appels téléphoniques sur le sujet en question? Est-ce si difficile de maintenir le calme dans une paroisse de village? N'aurais-je pas des choses plus importantes à faire que surveiller 4 jeunes filles en plein désarroi? Monseigneur, j'ai parlé aux jeunes filles de ce qui s'est passé l'autre jour. Ce qui s'est passé? Mais il ne s'est absolument rien passé. Ça fait déjà 6 jours que vous m'avez informé du petit jeu de ces 4 enfants. Mais qu'allez-vous me raconter? Écoutez, vous êtes à Saint-Sébastien pour guider les gens, dans leur simple dévotion,
pas pour créer dans le diocèse une révolution. Vous savez, j'aimerais que vous... Je veux dire par vous-même que vous soyez capable d'analyser les événements. Je veux dire personnellement. C'est vraiment pas simple. Ils disent que... Oui, je sais. Les gens croient que la Vierge va apparaître demain. Je sais. Je crois que ce qu'il faudrait faire, c'est parler aux jeunes filles sévèrement. Et aussi peut-être publier un ban, pour demander pardon, pour tous les malentendus que cela a pu occasionner. Et si c'était vrai? J'ai décidé de m'en occuper personnellement. Vous, essayez de ne pas déranger. Vergara a proposé de diriger une étude sur la question. Don Juan Antonio l'aidera. Et ce sont eux qui me tiendront informé de tout ce qui se passe. Monseigneur, c'est peut-être exagéré, non? Oui, j'ai entendu. Ça suffit. Accomplissez votre mission. Nous, nous nous chargeons de faire une étude. Ce que je devrais faire, c'est vous retirer cette paroisse. Je vous demande de ne pas déranger. Nous contrôlons la situation. Brigadier. Oui, mon père. Attendez. Je sais que toute cette affaire peut vous paraître insignifiante, mais vous devez la faire cesser immédiatement. Merci, mon père, pour votre conseil, mais ne vous en faites pas. Tout est sous contrôle. Sous quel contrôle? En tout cas, pas sous le vôtre. Hier, pour voir l'ange, des centaines de personnes se sont présentées, d'après ce qu'on m'a dit. Que ferez-vous quand ils seront 5000? Et demain qui? La Vierge Marie? Comment la Vierge peut-elle apparaître à ces filles-là dans un village perdu où il est presque impossible de se rendre en voiture? Faites preuve de raison. Cette histoire peut engendrer beaucoup de complications, aussi bien pour vous que pour moi. Merci, mon père, j'en tiendrai compte. Ça me fait de la peine. Elles ont perdu la raison. Marie-Loli! Conchita! Racinta! Marie Cruz! Marie Cruz! Marie Cruz! Erit impossibile apud Deum omne verbum. Exurgens autem Maria in diebus ilis habit in montana cum. Festinatione in civitatem ludae. Et intravit in domum Zachariae et saludabit Elisabeth. Maria s'en alla avec hâte à la montagne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Une information intéressante. Et qu'allons-nous faire? Comment va-t-on interdire à tous ces gens qui veulent voir la Vierge de monter ici? Vous savez, je dois avouer que l'autre jour, quand j'étais avec les enfants, il est arrivé quelque chose qui m'a vraiment perturbé. Je suis allé leur parler pour les dissuader et... Et quoi? Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand j'ai touché Marie Cruz, j'ai eu une sensation un peu étrange. On aurait dit une statue figée. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas normal. C'est incroyable. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour. Quel spectacle vous nous avez préparé ici aujourd'hui, hein? Il faut demander un ticket? Qui êtes-vous? Docteur Morales. Je suis psychiatre. Monsieur l'évêque m'a nommé responsable de l'étude de ce qui se passe ici. Je suis le médecin en chef de cette commission. Si, comme vous dites, vous êtes le médecin en chef, pourquoi vous n'êtes pas avec les autres médecins, alors? Je veux voir ça par moi-même. Je veux parler aux gens, je veux leur demander leur avis. J'essaie de cerner la situation dans laquelle on se trouve. Vous savez, la fillette avec les tresses, c'est elle qui contrôle ses trois amis. Elle souffre d'épilepsie. C'est peut-être un cas grave de schizophrénie. Épilepsie? Oui, épilepsie. Et cet après-midi, je vais l'hypnotiser. Vous allez voir, je vais mettre fin à cette vision et tout ça sera terminé. Schizophrénie. Eh bien, voilà l'instrument. On le tire comme ça, avec les doigts. Et ce qui est le plus important, c'est que le patient doit le regarder fixement.
afin que ce soit plus facile pour lui d'entrer en hypnose. Vous êtes dégourdi, vous ? Non. Vous ne pouvez pas les toucher. Ils ont une crise d'épilepsie et leur corps devient complètement rigide. Oui, très bien, maman. Aujourd'hui, je suis allée au pré pour ramasser du foin pour les vaches. Je l'ai mis en botte. J'ai bien pris le soleil. Le père Valentin, il n'est pas très beau, mais c'est un brave homme. Oui, maman. Oui, on prie pour eux. Et aussi pour les gardes civils, pour qu'ils nous protègent très bien. Maman, tu veux bien me prêter ta couronne ? Oui. Et moi, je voudrais une étoile de ta couronne. Seulement une minute. Comme ça, les gens croiront. Ne t'en va pas. Tu n'es pas restée très longtemps. Oui, maman. Reste encore un peu. On dirait que la Vierge se consacre à l'élevage, hein ? Et vous, vous devriez enlever le bandeau rationaliste qui vous couvre les yeux. Jésus n'est-il pas né dans une étable ? Pourquoi la Vierge ne pourrait pas leur parler des choses quotidiennes ? Bon, d'accord. Je prends note. Je mettrai tout ça dans mon rapport. Vous aurez de mes nouvelles, monsieur le brigadier. Bon, réponds-moi. À qui tu parlais ? À la Vierge. À la Vierge. Du Carmel. La Vierge du Carmel. Oui, du Carmel. Et dis-moi, elle était comme celle que nous avons à l'église ? Non. Alors, comment elle était ? Elle portait quoi ? Une robe blanche. Rien d'autre ? Elle portait aussi un voile bleu, une robe blanche et une couronne d'étoiles dorées. Et c'est tout, rien d'autre ? Elle tenait aussi un scapulaire dans la main. Dans la main gauche ? Ah, un scapulaire dans la main gauche ? Non. Tu en es sûre ? Dans la droite. Oui, j'en suis sûre. Elle tenait un scapulaire dans la main droite. Dans la main droite. Bien. Et cette Vierge, comment elle se comportait ? Ben, comme une mère. Tu dirais comme une mère. Je dirais comme la meilleure des mères. C'est-à-dire comme ta propre mère. Non, plutôt comme une amie. Enfin, d'un côté comme une amie, et de l'autre côté comme la meilleure des mères. Et quoi d'autre ? Bien, en fait, elle était accompagnée de deux anges. D'une part Saint-Michel, et l'autre ? L'autre, j'en sais rien. Et la Vierge portait l'enfant Jésus dans ses bras. Bon. Jusqu'à présent, il semble que... C'est un acte de Dieu ! Je vais te raconter une blague. L'un demande à l'autre, comment tu t'appelles ? Et l'autre répond, Pierre ou Hanoun. Et l'autre dit, enfin, décide-toi, Pierre ou Hanoun. Elle est nulle, complètement nulle. Je le sais, je le sais. Je me prépare pour donner des cours au monastère des Sœurs Clarisse. On dit que l'humour aide beaucoup à transmettre la saine doctrine. Sinon, elles vont s'endormir. Mais non, elles méditeront profondément. Tu sais bien que Sainte Thérèse parle des rêves mystiques. Je pense parfois que tu es né sans le péché originel. Mais tu sais, il faut faire particulièrement attention avec la mystique. Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'aies convaincu de monter jusqu'à ce village avec tout ce que j'ai à faire. Prends-le comme une retraite, plutôt. Une retraite quand on aura examiné les filles. Si Dieu le veut. Bien sûr que si Dieu le veut. Il pourrait se passer n'importe quoi. Un astéroïde pourrait tomber, et ça pourrait être la fin du monde. Dieu seul le sait. Ça va avec le père Valentin ? Oui. Oui, ça va bien. Quoique la situation se complique un petit peu. Qu'est-ce qu'il en pense, le père Valentin ? Pour moi,
Le brave homme manque de discernement à propos des apparitions des fillettes de la Vierge. Tu ne peux pas le juger. C'est un homme de Dieu, avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, Carmen. Maintenant, il n'arrête pas de dire à tout le monde que ces quatre jeunes filles ont vu la Vierge. Tu crois que c'est sage de dire ça? Et puis, toi, tu crois toujours tout d'emblée. Il faut être prudent. La prudence... Toi et ta fichue prudence. S'il te plaît, n'oublie pas que maintenant je suis brigadier. Je m'en fiche pas mal que tu sois brigadier. C'est pas pour ton travail que je t'ai épousé. C'est parce que je t'aime, c'est tout. Oui, mais voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Merci de vous être arrêté, monsieur. La nuit est tombée très rapidement. Il n'y a pas de quoi, mon père. Il vous restait un bon morceau pour arriver à Garabandal. Il n'y a pas d'autre chemin? Non, monsieur. À pied, à dos d'âne, ou dans un de ces engins. Il y a beaucoup de gens qui montent à pied, parce qu'ils disent que c'est très dangereux de monter dans une de ces machines. Mais bon, il ne m'a encore rien arrivé pour le moment. Mais vous pourriez quand même conduire un petit peu plus lentement, non? Vous êtes jésuite, non? C'est ça, oui. Je dis ça pour la ceinture. Ces jours-ci, il y a beaucoup de prêtres qui viennent au village. Et puis énormément d'étrangers. J'ai rencontré plus d'Américains ces derniers jours que dans toute ma vie. Beaucoup de gens viennent, alors. Oh, c'est pas peu dire. Ils veulent tous voir les filles qui voient la Vierge. En extase. Pardon ? On dit en extase. Si tout cela est vraiment l'œuvre de Dieu, alors ces jeunes filles perdraient le contact avec le monde qui les entoure et communieraient avec Dieu. C'est assez commun parmi les saints. Sainte Thérèse... Je vais vous dire. Moi, je sais pas ce qu'elle voit, mais je sais ce que moi, je vois. L'autre jour, pour prendre un exemple, il y en a un qui était pas du village. Un petit malin, vous voyez? J'allais lui casser les jambes. Il n'a rien trouvé de mieux que de prendre une cigarette allumée et de l'éteindre sur la main de Jacinta. Le con, c'est qu'elle n'a même pas sourcillé. Je comprends rien. J'y comprends rien. Vous croyez qu'elles font semblant, vous? Pourquoi la Vierge viendrait dans ce trou perdu? Moi, ça me fait peur, tout ça. Et leur façon de marcher? Pareil en avant qu'en arrière. Elles savent vraiment plein de choses sur tous les gens. Et puis, vous allez rencontrer le médecin qui est en charge de tout ça. Il fait une étude de fond. Le docteur Punsernau me raconte de ces choses. Sur leurs yeux, sur leur respiration. Attention! Il est cassé. Cassé? Oui, cassé, sans aucun doute. Je ne peux pas faire grand-chose ici. Vous allez devoir aller à l'hôpital de Valdecilla. On aimerait voir les filles qui ont eu cette apparition. À cette heure-ci? Je crois que ça ne va pas être possible. Vous allez devoir passer la nuit ici et demain partir vers Valdecilla. Écoutez, je n'ai rien d'autre qui soit plus fort que ça. Mais ça calmera un peu la douleur. À vrai dire, c'est pour les maux de tête, alors... La nuit risque d'être dure. Entrez. Père Ramon, pardonnez-moi pour l'heure tardive, mais j'ai un message important pour vous. On a vu la Vierge, et elle nous a dit que votre pied va guérir. Allez, mon père, ça suffit. Vous leur donnez le tournis. À propos, vous avez déjà parlé aux jeunes filles? Eh bien, oui, je leur ai parlé. L'une après l'autre. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas de grande révélation. J'ai l'impression qu'on est dans de sales draps. Mais vraiment dans de sales draps.
Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes fous? Je dirais que vous avez raison. Arrête, je t'en prie. Dites, vous le connaissez? Bien sûr, c'est le père Andréou. Il a le pied cassé, il devrait être à l'hôpital de Santander et pas ici. J'avais le pied cassé, il est guéri. Qu'est-ce que vous dites? Comment ça, il est guéri? Il semble que la Vierge m'ait guéri. Comment ça, la Vierge? Montrez voir un peu. Regardez. Vous voyez? Il est parfait. Comme je disais hier, nous avons demandé avec insistance d'étudier le cas. Et si c'est possible, nous aimerions parler aux jeunes filles. Pourrions-nous le faire aujourd'hui? Ah. En ce moment, elles sont avec le docteur Puncernau. Si on se dépêche un peu, on arrivera à temps pour l'entretien. Alors allons-y. Et en plus, votre pied est une preuve suffisante. Bon, allez, racontez-le-moi encore une fois. C'était comment, ce premier appel? Vous n'avez entendu aucune voix, n'est-ce pas? C'était comme une très grande joie. C'est bien ça? Oui, monsieur, c'est bien ça. Et après avoir reçu ce tout premier appel? Eh bien, le suivant n'est pas venu tout de suite. La première fois, c'est comme si elle avait voulu dire « Je vais venir ». Et la deuxième fois, comme si elle avait dit « J'arrive ». Parlons de sensations. Vous avez senti quoi la deuxième fois? Une immense joie. Et après, on est vite parti en courant. Il s'est écoulé très peu de temps entre la deuxième et la troisième fois. Et je me souviens, la troisième fois, on était très nerveuses. Et puis voilà. Je vous propose de faire un petit test. Vous êtes d'accord? Je dois en voir davantage. Il y a certains phénomènes ici qu'en tant que scientifique, en tant que médecin, je ne suis pas capable d'expliquer. Les jeunes filles, quand elles ne sont pas en extase, sont parfaitement normales. Cependant, en pleine extase, elles ont une manière différente de se comporter, pour ainsi dire. Qu'est-ce que vous entendez par là, docteur? Eh bien, par exemple, les marches extatiques, si j'ose dire. Elles marchent seules, mais comme si elle ne marchait pas. On dirait plutôt qu'elle lévite. Il n'y a pas de proportion entre leurs pas et leurs déplacements. Leur état physique prouve qu'elles sont en pleine forme. Par exemple, leur changement de poids. Quand elles sont en extase, elles sont dures comme de la pierre. C'est vous le père de Marie Cruz? Exactement. Je peux la bouger, moi? Si vous voulez. Essayez toujours. D'accord. C'est loin d'être facile, vous voyez. Cependant, lorsque les jeunes filles sont en extase, elles peuvent se lever les unes et les autres sans aucun problème, sans aucune difficulté. Quant à moi, j'ai remarqué que quand les jeunes filles se mettent à genoux, elles ne montrent aucune sensation de douleur ou blessure. Et ce, y compris quand elles s'agenouillent sur des cailloux. De plus, elles maintiennent constamment une posture... Sans perdre la modestie, pas vrai? Vous prenez bien note de tous ces éléments? Bien sûr. Vous envoyez tous ces éléments... À monsieur l'évêque, bien entendu. Depuis que les extases ont commencé... Il ne cesse de prendre note de tout ce qui se passe ici. Et ensuite, nous l'envoyons sans perdre une minute. Une autre chose très curieuse, c'est leur capacité de hiéroniosie, c'est-à-dire la capacité qu'elles ont de reconnaître des choses saintes. Par exemple, un jour, Conchita présentait le crucifix aux personnes, mais elle en a sauté une. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'était déjà signé le matin. C'était la seule personne qui l'avait fait. Il le faisait tous les jours. Et donc, c'était le seul qui avait déjà fait ses devoirs. C'est incroyable. Quelquefois, elle présente le crucifix à toutes les personnes.
Je me souviens d'un jour, elle ne l'a présentée qu'aux ecclésiastiques. Oui, mais voilà, ils ne portaient même pas leur habit de prêtre. Alors elle les a reconnus alors qu'ils étaient habillés en civil? C'est exactement ça. Écoutez, tout ce que vous venez de dire me semble très intéressant. Mais je ne sais pas, elle pourrait avoir des complices dans l'assistance. Ou bien alors, ça pourrait être une coïncidence. Peut-être que oui, mais non. Nous n'avons pas pu constater d'erreur, quelle qu'elle soit, ni trouver une quelconque réponse à la façon dont elle pourrait le faire. Et croyez-moi, il existe des choses qui ne sont pas faciles à expliquer. Leurs yeux ne réagissent pas à la lumière. C'est comme si elles avaient le regard rivé sur la Vierge Marie. Je ne sais pas. Je ne trouve pas d'explication. Ça pourrait être un acte divin, selon vous? Il vaut mieux attendre de voir comment tout cela évolue. Oui, elles sont déjà en extase. Mais dans cette situation, pardon. En général, elles ne prennent plus d'objets. Oui, mais c'est qu'ils sont venus de très loin, vous savez. Je vous en prie, monsieur le brigadier, s'il vous plaît, aidez-nous. Bon, d'accord, essayez, mais avec discrétion, hein. Merci, je vous remercie. Quel cadeau pour mon mari. Je vous en prie. Ah, j'ai une alliance dans la poche. Et qui me l'a donnée? Ah, bon alors, bénis-la. Conchita, ça ne te dérange pas, tout ce monde autour de toi? La Vierge nous a toujours appris qu'il faut accueillir tous ceux qui se présentent. Et c'est exactement ce que vous faites, c'est vrai. Dis-moi un peu, pendant l'apparition, qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne t'ai pas vu aussi gaie que d'habitude. La Vierge nous a donné un message. Mais on ne peut pas encore le dévoiler. On doit attendre le 18 octobre. Jusqu'au 18 octobre? Pourquoi attendre aussi longtemps? De quoi s'agit-il? C'est quelque chose de très important. Mais elle préfère qu'on attende. On ne peut le dire à personne, pas même à vous, ni à ma mère, ni au père Valentin. D'accord. Alors on attendra. Tiens, ça c'est l'alliance de mon épouse, et l'autre c'est la mienne. Tu pourrais les présenter à la Vierge pour qu'elle les bénisse? Bien sûr que oui. Dites-moi un peu qui a eu l'idée de mettre ce truc avec tous les rosaires. Je suis curieux de savoir ce que la Vierge va faire avec un poudrier. Oui, je ne crois pas que la Vierge utilise ce genre de choses. Oui, maman. Nous lui avons dit que ça n'allait sans doute pas te plaire, mais... Je vous l'avais dit que c'était bizarre. Comment voulez-vous que la Vierge bénisse ça? Très bien, comme toujours. Très bien. Et le poudrier, fillette, la Vierge l'a béni? Oui. C'est le premier objet qu'elle nous a réclamé. Elle dit que c'est en relation avec son fils. Ouais, ouais, avec son fils. Il est à moi. Quoi? Alors ça, c'est vraiment bizarre. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris de donner ça aux jeunes filles, hein? Pendant la guerre civile, dans une zone où beaucoup de prêtres ont été exécutés, il est dit que ce poudrier contenait l'Eucharistie. Allez, on avance! En chou!
Nous vous pardonnons, mes frères. Feu ! Voilà la raison. On peut donc dire que c'est en relation avec son fils, oui ? C'est vrai, oui. Manin ? Oui, mon père. Voici les rapports d'hier. Il y a le mien et celui du docteur Ortiz. Tu veux bien les apporter au père Valentin ? Oui, bien sûr. Dis-moi, comment tu vas ? Bien, mais les gens croient que c'est moi qui invente l'histoire des fillettes. Et c'est toi qui les mets en lévitation. Ne fais pas attention à ce que disent les gens. Fais seulement attention à ce que Dieu te demande. Et c'est tout. Tout ça, ça n'est qu'une farce, vous savez. Ça fait 10 minutes que vous êtes arrivés. Moi, ça fait 4 semaines que j'étudie ça. Et je ne sais pas quoi en penser. Docteur Poncernau, ce brave homme veut parler avec vous. Oui, bien sûr. Venez avec moi. Vous savez, ça fait des mois que j'étudie ce cas. Et j'ai vu des choses extraordinaires, totalement inexplicables par la science. Oui, mais docteur, ces enfants parlent de choses quotidiennes, sans aucune importance. J'ai des doutes. Dites-moi, vous parlez comment à votre mère ? Mais essayez un peu de me comprendre. Ces enfants parlent de petites choses concernant leurs vaches, et elles disent qu'elles parlent de la Vierge Marie. Et alors tout le monde croit qu'il y a eu des apparitions. Vous avez tous perdu la raison. Quant à vous, il vous manque des arguments. Comment expliquez-vous l'histoire des marches, les lévitations, le manque de sensibilité, les objets perdus qu'elles retrouvent quand elles sont guidées par leur vision ? J'ai vu de mes propres yeux plusieurs guérisons miraculeuses. Vous savez, ne jugez pas précipitamment. Attendez de passer quelques jours ici. Et est-ce que tu ne vois plus la Vierge ? Non, mon père. Mais pourquoi ? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Mon père, priez pour nous. Écoutez, tout ça, c'est vrai. Maintenant, je suis complètement convaincu. C'est vrai, tout ça, je vous assure. Il y a à peine 10 minutes, vous ne croyez rien, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu une petite conversation avec Racinta. Ah oui ? Racontez-moi. Eh bien, la petite enfant est venue pour me présenter le crucifix. Alors j'ai pensé dans ma tête, j'ai pensé, si tout ça se passe vraiment, si c'est bien une apparition de la Vierge Marie, eh bien que l'extase cesse. Et Racinta, elle a baissé la tête, et comme si tout était normal. Ça n'a pas été le seul. Il y avait un homme dans les parages à qui il est arrivé la même chose peu de temps après. Quel dommage que ceux de la commission n'étaient pas là. Et qui était cet homme ? Ça, je n'en sais rien. Pourquoi vous êtes venu à Garabandal ? Eh bien, à vrai dire, c'est que ça fait pas mal de temps que j'ai des doutes et j'ai pensé qu'en venant ici, à Garabandal, j'obtiendrai quelques réponses. Des doutes sur les apparitions, c'est ça ? Non. C'est autre chose. Ce sont des doutes. Vous voyez, moi, je suis prêtre. Mais je ne suis pas très sûr de l'être. Comment ça, vous n'êtes pas sûr d'être prêtre, enfin ? En fait, je ne sais pas si mon ordination a été valide, ou si à ce moment-là, j'avais la disposition adéquate pour la recevoir. Ce qui s'est passé ce matin ne vous a pas aidé ? Si, bien sûr que si. Mais je... En fait, il faudrait que je voie plus de choses. C'est ça, il faut que j'en voie plus. Eh bien, vous allez en voir plus.
Mère, si je suis réellement prêtre, que la jeune fille fasse le signe de croix sur moi, au lieu de me faire embrasser le crucifix comme elle le fait avec les autres. Ça ne compte pas, mère. Elle a aussi fait le signe de croix sur le brigadier, et le brigadier n'est pas prêtre. Si au lieu de cela, elle avait présenté le crucifix à tout le monde, sans aucune exception, pour qu'il l'embrasse, et si elle avait fait le signe de croix 3 fois sur moi, et seulement sur moi, alors dans ce cas-là, il n'y aurait plus aucun doute. Monseigneur Alfaro, vous devriez monter au village demain. Le diagnostic du docteur Morales, même s'il est très proche de la réalité, est incomplet. Il ne mentionne pas ni ne donne d'explication à de nombreuses situations extraordinaires qui ont lieu là-bas. Il manque de... Mis à part le fait d'avoir obtenu le titre de brigadier, vous avez aussi un diplôme de neuropsychologue, c'est ça? Docteur Morales, au cours de ces derniers mois, vous êtes uniquement monté à la Caïra 3 jours. Vous n'êtes même pas allé voir ce qui s'y passe. Vous êtes resté dans la sacristie à fumer et à vous moquer de tout ce que vous ne comprenez pas. Comment pouvez-vous rendre un jugement sur quelque chose que vous n'avez pas vu? Beaucoup d'autres médecins, et prêtres également, ont constaté que ces enfants sont parfaitement normaux et n'ont absolument rien d'épileptique. Vous savez, c'est à Dieu qu'il faudra rendre des comptes. Brigadier, oublieriez-vous qui est le docteur Morales, ainsi que la réputation qu'il a dans tout le pays? Nous devrions plutôt lui être reconnaissants de sa patience et de s'occuper de quelque chose de tout à fait secondaire. Par ailleurs, nous avons recueilli divers témoignages des fidèles du village, afin de les inclure dans votre rapport. Mais, Monseigneur, les témoignages dont vous parlez, il en manque. Et de ceux qu'il a recueillis, il n'y en a qui ne reflètent pas la réalité de la situation que nous vivons. Nous avons affaire à un événement majeur, et nous ne lui accordons pas du tout l'importance qu'il a réellement. Ce que veut dire le père Valentin, Monseigneur, c'est que les membres de la commission ne sont pas montés à la Caïra, et ils ne connaissent absolument pas la plupart des événements. Ils devraient en prendre connaissance, poser des questions à beaucoup d'autres personnes, et pas uniquement aux témoins qu'ils ont choisis. Vous dites que demain, les fillettes donneront un message. Je me trompe? Oui, Monseigneur. Les membres de la commission seront présents. C'est pas la peine de t'inquiéter. Tout se passera bien. Je ne sais pas, Carmel. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si les choses se compliquaient, c'est moi qui en serais coupable. Ma carrière. Ah, écoute, j'en sais rien. Juan, Dieu sait ce qu'il fait. Aie confiance. Et en plus, tu sais bien que quoi qu'il puisse arriver, je serai toujours à tes côtés. Thank you.
Père Valentin. Bien le bonjour. D'après vous, combien de personnes se sont présentées aujourd'hui? Je dirais qu'entre 7 et 8 000. Ça peut devenir compliqué, tout ça. Si une hystérie collective se produisait, les choses pourraient mal tourner en très peu de temps. Vous savez, sincèrement, je pense que le message ne va pas vous plaire. Le message? Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Hier après-midi, quand Chita me l'a donné. Ah oui? Oui, oui. Ce soir, à 10h30, nous devrons l'annoncer. C'est un peu tard. Avec cette pluie, les gens ne sauront pas où s'abriter. Il va falloir l'avancer. Je ne sais pas, mais bon... Je ne crois pas qu'avancer l'annonce de quelques heures fasse de mal à qui que ce soit, mais... Et si c'était un signe de Dieu? Qu'elle fasse l'annonce tout près des pins. Non. La Vierge a demandé que j'en fasse lecture. Et que je le fasse ici, devant l'église. Que vous le fassiez devant l'église? Mais enfin, comment pouvez-vous faire une telle chose? Vous ne pouvez en aucun cas impliquer l'évêché. Monseigneur Alfaro ne s'est pas encore prononcé. Il n'a fait aucune déclaration à ce sujet. Qu'elle le fasse près des pins. Il y a beaucoup d'espace et tout le monde pourra y assister. Mais devant l'église, c'est non. Oui, mais... Mais les filles, alors, on doit les accompagner et la Vierge. Il y a toute une unité de la garde civile ici. Qu'elles aillent jusqu'au pain et qu'elles y fassent leur annonce. Ce sont leurs soi-disant apparitions. Ne vous impliquez pas autant dans cette histoire. Vous avez peut-être raison. Je suis désolé. Je peux pas faire l'annonce. Père Valentin, pourquoi vous ne pouvez pas le faire, enfin? Les jeunes filles l'ont dit. C'est à vous qu'elles l'ont demandé. C'est la Vierge qui a demandé que ce soit vous qui fassiez l'annonce devant l'église. Enfin... Comprenez? Et les gens? Avez-vous vu la foule qu'il y a? Et l'évêque? Sachez que Monseigneur l'évêque ne s'est pas encore clairement prononcé. Vous savez, le mieux que l'on puisse faire, c'est de ne pas faire l'amalgame entre ce que dit l'apparition et ce que dit l'église. Alors qui va le lire? Dites-nous. Lisez-le, les enfants. Il est essentiel de faire beaucoup de sacrifices et beaucoup de pénitences. Visiter souvent le Saint-Sacrement. Mais avant toute chose, nous devons mener une vie bonne. Et si nous ne le faisons pas, il nous viendra un châtiment. Sachez que la coupe est presque remplie. Si nous ne changeons pas, alors un très grand châtiment nous viendra. Vergara, et vous? Vous devez être le fameux docteur Morales, non? Félicitations pour votre nomination. Bon, merci beaucoup, mais asseyez-vous. Et racontez-moi un peu, j'aimerais qu'on aille droit au but. Eh bien, à vrai dire, je voulais simplement vous présenter le docteur Morales et parler de la situation à Saint-Sébastien de Garabandal. Garabandal. Si vous saviez la quantité de lettres que je reçois d'Espagne et de l'étranger me demandant des explications sur la situation. J'ai besoin de voir en vous clarté et décision. Est-ce clair? Je me fiche du résultat. Je me suis déjà fait à l'idée que les gens qui vont là-bas vont énormément souffrir si je ne mets pas un terme à cette histoire. Et en plus, d'après ce qu'on m'a dit, les gens commencent à être légèrement déçus. Exactement. Les gens s'attendaient à quelque chose de plus grand, à un miracle. Et ils se sentent quelque peu escroqués. Le message a clairement été écrit par les fillettes. C'est presque enfantin.
En plus, ça a tout l'air d'être une tentative de leur part de raviver la situation. Il semblerait que les familles en tireraient un certain bénéfice. Et quelque chose me dit qu'elles vont faire une tentative de réactivation. Elles ont déjà fait une annonce... De quoi ? D'un miracle. D'un miracle avec une date. Les gens sont très sensibles et, comment dire, vraiment simples. Si bien qu'il est relativement aisé de les convaincre. Ce qui est clair, c'est que les enfants sont complètement perturbés. Elles ont besoin d'un traitement neuropsychologique. Cette histoire ne cessera que lorsque vous aurez fait une déclaration publique. Eh bien, il me faut des preuves et des témoins pour faire ce document. C'est également ce que j'ai pensé. Nous avons déjà fait un vaste travail dans ce sens. Alors, comment va Conchita ? Bien, très bien, comme d'habitude. Bon, enfin. Quelque chose ne va pas ? Elle vous cause des problèmes à la maison ? Non, elle est vraiment très sage. À vrai dire, depuis que toute cette histoire a commencé, elle est vraiment sage. Mais ces derniers temps, elle répète quelque chose qui m'inquiète un peu. Ah bon ? Quoi donc ? Il semblerait que la Vierge lui ait dit... Bonjour, ma fille. Bonjour, maman. Bonjour, Conchita. Bonjour, monsieur le brigadier. Comment allez-vous ? Oh, très bien, Dieu merci. Ta mère m'a préparé un excellent petit déjeuner. Écoute, je suis venu tôt ce matin pour te parler un petit peu. Et ta mère m'a dit que tu étais à la Caïra et que tu priais le rosaire avec le froid qu'il fait. C'est la Vierge qui nous l'a demandé. Si on a décidé de le faire, c'est pour lui faire plaisir. Tu veux un verre de lait chaud ? Non, merci. N'allez surtout pas croire qu'elles font leur prière du rosaire à 5 heures du matin, sous extase. Si c'était le cas, elles ne rentreraient pas chaque matin mortes de froid. Et c'est pas trop dur de se lever aussitôt ? Eh bien, quelquefois, c'est vrai, c'est un peu dur. Mais comme elle dit, il faut faire beaucoup de sacrifices, alors on le fait avec plaisir. Allez, va te préparer. Bon, ben, je vous remercie d'être venu. Mais il faut que je me prépare pour aller à l'école. Vas-y. La Vierge lui a dit... Elle lui a dit qu'elle allait tout nier. Écoutez, Aniceta. Beaucoup de gens pensent que le message, c'est elles qui l'ont écrit. Et moi, je suis très inquiet parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques, vous savez. Je dois admettre que moi-même, j'ai des doutes. Mais je reconnais aussi que je sens des choses spéciales. Je ne sais pas. Je devrais en parler au père Andréou. Conchita ? Oui ? Écoute-moi, je voulais... Non, rien. Tu pars à l'école, non ? Oui. Eh ben, vas-y. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci. Vous devez ouvrir votre cœur à la Vierge. Je comprends vos doutes. Mais il y a des preuves suffisantes pour y croire. Et vous en avez vu personnellement. Vous êtes un privilégié. Je le sais, mon père, je le sais. Mais j'ai du mal à y croire. Bien sûr que vous avez du mal. Il faut faire un petit saut dans la foi. Mais Dieu éclaire suffisamment notre chemin pour que nous puissions avancer. Écoutez, je peux vous dire une chose avec certitude. Il n'y a rien concernant ces apparitions qui ne soit contraire à la foi de l'Église. Mais c'est à ça que sert l'Évangile, oui ou non ? Pourquoi la Vierge doit venir ? Eh bien, parce qu'elle nous aime, parce qu'elle veut nous montrer qu'elle est notre mère. Vous savez certainement qu'elle joue à des jeux avec les filles. Elle ne veut rien ajouter au message de Jésus-Christ. Elle veut que nous nous en souvenions. Demandez-lui de vous aider et d'ouvrir votre cœur pour recevoir ses bontés. N'ayez pas peur. Excusez-moi, ça prend combien de temps d'habitude ? Quand aura lieu l'extase ? Parce qu'on n'est pas d'ici et il faut qu'on reparte bientôt. Écoutez, madame, ce genre de choses n'arrive pas comme ça, sur demande. Mais vous savez, ne vous inquiétez pas. Allez, priez, priez ! Allez, s'il vous plaît, priez ! Allez, priez, s'il vous plaît ! Priez la Vierge ! Allez ! Regardez. Hein ? Un petit cadeau de la Vierge. Oh,
Je vous l'avais dit. Quelle joie. Quelle joie. Enfin. Vous avez vu ça ? Évidemment que je l'ai vu. Pourquoi ? Elles sont pas en train de voir la Vierge. Comment ça, elles sont pas en train de voir la Vierge ? Non. Conchita, qu'est-ce que vous voulez dire ? Viens ici. Viens voir. Quelle coïncidence, non ? Juste au moment où les étrangers allaient partir, la Vierge est apparue. Ils en ont eu de la chance. Eh bien, oui. C'est pas plutôt vous qui avez fait quelque chose ? Eh bien... Comme la Vierge allait venir de toute façon et qu'on ne voulait pas décevoir les gens, on a commencé... Mais Conchita, alors vous avez fait semblant ? Oui, mais seulement un instant. Mais enfin, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez combien de personnes sont contre vous quatre ? Ils disent que tout ça est faux. Et par-dessus le marché, vous leur donnez des raisons de ne pas y croire. Pardon, nous on veut seulement que les gens y croient ? Tu sais, Conchita, des fois, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce qu'il y a de mieux, crois-moi, c'est la vérité. Et en faisant en sorte, ou en essayant, de faire vivre ces expériences à ces gens-là, vous pouvez blesser d'autres gens, les blesser dans leur foi. Je crois que je vais aller attendre le prochain appel à la maison. Tout ça, ça va rien nous apporter de bon. Mais regardez-la. Dans le fond, je suis sûr qu'elle voulait faire le bien. Mais je suis sûr aussi que certains l'utiliseront pour saborder cette histoire. C'est possible. Les anges ne peuvent pas consacrer Alvarez. Vous ne croyez pas qu'elles essayent plutôt de récupérer l'attention des gens ? Non, les jeunes filles ne disent pas que c'est l'ange qui consacre la forme. En fait, ce qu'elles disent, c'est que l'ange prend la forme consacrée d'un tabernacle et qu'il n'apporte jamais la communion s'il y a un prêtre présent. Mais il n'y aura pas de prêtre présent le jour du miracle ? Pourquoi c'est un ange qui doit l'apporter ? Eh bien si, il y aura certainement des prêtres présents dans le village. Mais docteur, il s'agit d'une chose spéciale que veut faire la Vierge pour que les gens croient. Écoutez, Alvarez, cette histoire touche à sa fin. Vous en êtes conscient, non ? Certaines interventions des jeunes filles ont été plus convaincantes que d'autres. Mais soyons sérieux. Le père Valentin nous a dit qu'elles ont simulé l'extase. Mais qui vous dit que toutes les extases n'ont pas été simulées ? Oui. C'est vrai qu'il y a eu quelques extases simulées, mais ce fut exceptionnel. Par contre, il y a eu des milliers d'extases et des situations réellement extraordinaires qui n'ont aucune explication, si ce n'est une intervention divine. Écoutez, Alvarez, nous sommes ici pour le bien de la population. Et pour servir l'évêque aussi. Et pour vous avertir que cette histoire arrive à sa fin. Monseigneur l'évêque fera bientôt une déclaration. Il ne manque que quelques témoignages à recueillir pour clore cette histoire. Nous ne voudrions pas que vous soyez mêlé à cette histoire quand la vérité éclatera. Vous êtes un brave homme. Oui, un brave homme. Vous avez été très proche des fillettes. Vous avez été comme un père pour elles. Mais le mieux, c'est très certainement que vous preniez un peu de distance. Pour ne pas être à bord du navire quand la tempête arrivera. Elles disent qu'il y aura... Oui, demain. On est au courant. Un miracle, non ? Ce sera quoi, comme le précédent ? On sera présent, de toute façon. Comment pourriez-vous ne pas être présent à un événement comme celui-ci, annoncé à l'avance, puisque c'est vous la commission ? Je vous rappelle que la dernière fois, c'est grâce à nous qu'un désastre a été évité. C'est complètement absurde. Des docteurs aussi prestigieux que le docteur Puncernau
ont constaté qu'il n'y a eu aucun signe de début d'hystérie collective. Vous autres, vous n'avez rien résolu, parce qu'il n'y avait rien à résoudre. Écoutez, Alvarez, lorsqu'on se sent très proche des personnes qu'on veut aider, il est très difficile d'être objectif. Quant à nous, nous avons pris soin, mais à distance, d'analyser les faits de façon rationnelle, sans implication émotionnelle. Pensez à votre prestige. Pensez-y. Et pensez à l'avenir. Mon Dieu, ça va se gâter. Ça va barder. Il y a des gens ici qui disent que ça va vraiment se gâter. Il y en a qui disent qu'on s'est moqué d'eux. Il y en a d'autres que je sais pas quoi. Regardez-la. Regardez un peu son visage. Vous croyez vraiment qu'avec ce visage, elle aurait pu faire quelque chose de mal ? Mon Dieu, il faut que vous la protégiez. Je ne sais pas, Aniceta. Tu sais, ça va être difficile de se faufiler dans une foule aussi nombreuse pour la protéger. Je peux absolument rien te promettre. Elle ne me plaît pas du tout, cette ambiance. J'ai peur qu'il la bouscule. Donnez-moi votre parole que vous allez la protéger. Si jamais le miracle n'a pas lieu, ça va mal finir tout ça. Ne vous inquiétez pas, Aniceta. Nous la protégerons. Vous avez ma parole. Ici, avancez. Et vous, vous y étiez ? Oui. Oui, j'y étais. Qu'avez-vous vu ? Eh bien... Et vous avez vu l'hostie, oui ou non ? Oui. La jeune fille l'avait cachée dans ses mains quand elle s'est mise à genoux. Je ne sais pas à quel moment, mais en un instant, elle a mis l'hostie sacrée sur la langue. Mais c'est clair ! Elle profite de la confusion de la nuit, de la foule, et voilà, miracle, les gens croient absolument tout. Soyez certains que nous prendrons des mesures. Vous venez de rendre un grand service à la vérité. La commission spéciale, chargée d'étudier les faits qui ont eu lieu dans le village de Saint-Sébastien de Garabandal, considère que de tels phénomènes ne rassemblent aucun signe de caractère surnaturel et qu'ils ont donc une explication de caractère naturel. Et puis quoi encore ? Nous interdisons à tous les ecclésiastiques, aussi bien diocésains qu'extradiocésains, ainsi qu'à tous les religieux, y compris réformés, de faire acte de présence dans le dit endroit. Nous réitérons à tous les fidèles la mise en garde concernant leur devoir de ne pas attiser l'ambiance créée autour de l'évolution de ces faits. Et par conséquent,
Ils doivent s'abstenir de se rendre au village cité pour cette raison. Étant donné l'immense gravité, nous attendons de vous tous l'accomplissement sans aucune réserve des dispositions citées. C'est fini? C'est ça? On y renonce? Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. Et vous, vous ne faites rien. Vous savez, quand j'ai commencé à y croire, c'est quand j'ai reçu ceci. Dès le commencement, j'ai envoyé des rapports détaillés à l'évêché de tout ce qui est arrivé ici. De tout. Des témoignages. Et vous savez ce qu'ils en ont fait, eux ? Les jeter à la poubelle. Et par-dessus le marché, ils m'ont envoyé cette lettre. Achevez ce compte une fois pour toutes. Et cessez d'envoyer des papiers au bureau. Comme si toute cette histoire était de ma propre invention. Il faut qu'on reparle avec la commission. La commission n'a jamais voulu de nous. Et après ce qu'ils ont obtenu, eh bien encore moins. Nous ne pouvons rien faire de plus. Mais pourtant, Dieu sait que nous avons essayé. Brigadier, nous sommes à la recherche de monsieur le curé, un certain Père Valentin. Pourriez-vous nous aider à le trouver ? Oui, je connais le Père Valentin. Mais je crois qu'il est assez occupé. Vous ne pouvez pas attendre ? Eh bien, nous repartons d'un moment à l'autre. Cependant, vous pouvez peut-être lui transmettre le message, à lui seul et en toute discrétion. Vous avez ma parole. De quoi s'agit-il ? Voilà, il s'agit de l'un des nôtres. Le Père Juste. Il est venu ici il y a quelques jours. Oui, je me souviens de l'avoir vu par ici. Mais il ne s'est pas beaucoup approché des apparitions. C'est vrai. Mais j'apporte ses excuses formelles. Il n'a pas pu venir personnellement. Ses excuses ? Mais à quel propos ? Il n'arrive pas à dormir depuis 3 jours. Ce qui a fini par lui causer beaucoup de remords. Il a donné un faux témoignage à Monsieur l'évêque. À propos du miracle qui s'est produit l'autre jour. Il a déclaré que c'était un coup monté de la jeune fille et qu'elle avait sorti l'hostie de sa poche. Un coup monté ? Ça veut dire que cet homme a menti ? Est-ce qu'il connaît la portée et la gravité de son mensonge ? Il le sait. Il en souffre énormément. Il demande pardon. D'accord. Je transmettrai le message au Père Valentin. Bonjour. Bonjour, Conchita. Beaucoup de gens n'y croient plus, vous savez. Elle nous a dit qu'y compris nous-mêmes, nous allons la renier un jour. Ce que je doutais. Mais maintenant, je ne sais plus trop. Je sens que j'ai trompé les gens. Vous en pensez quoi ? J'en sais rien, Conchita. Je sais plus quoi penser. Tu sais, quand je vous vois en extase, ou quand vous parlez à la Vierge, et dans d'autres situations aussi extraordinaires,
C'est évident que j'y crois. Mais sinon, j'en sais rien. J'ai énormément de doutes. Vous savez ce qu'elle a dit quand je l'ai interrogée au sujet de l'évêque et de sa lettre? Elle s'est contentée de sourire. Conchita, nous sommes des personnes importantes. Nous avons beaucoup de choses à faire. Tu l'as reconnu toi-même il y a quelques minutes. Tout ça n'était qu'un mensonge. Les appels, non. Et le miracle, non plus. Quelquefois, je ne sais pas. Ça fait déjà beaucoup de temps et je ne sais plus. N'y réfléchis pas autant, ma fille. Tout ça n'était qu'un mensonge. Ce serait dommage de devoir t'excommunier. Tu ne comprends pas? Non. C'est quoi excommunier? Lorsqu'une personne est très désobéissante et qu'elle dit beaucoup de mensonges, l'autorité doit réagir fermement. Tu ne pourrais pas communier, ni recevoir l'absolution de tes péchés. Et à ta mort, tu ne pourrais pas être enterré dans le cimetière, mais à l'extérieur, comme un chien. N'aie pas de doute, mon fils fera un miracle. Bonjour, maman. Tu en as mis du temps pour revenir. Tu m'as beaucoup manqué. Beaucoup de gens n'y croient plus, tu sais. Ça fait déjà pas mal de temps que les filles n'ont pas eu d'apparition. Vous savez, moi j'ai toujours cru qu'elles voyaient la Vierge. Depuis que le miracle a eu lieu, je suis resté fidèle. Si tous ceux qui se moquent de ces jeunes filles avaient vu ce que vous et moi nous avons vu, ce serait une autre histoire. Ça oui. Elle dit que ça ne va plus être la Vierge maintenant, mais que ce sera l'ange, et qu'il y aura un second message. Vous allez devoir amener pas mal de renforts alors. Parce que ça risque de chauffer. Conchita, tu te rends compte de la quantité de personnes qu'il y a au village aujourd'hui? Je n'arrive pas à penser à autre chose. Et tu es sûre et certaine que tu verras l'ange? Oui, sûre et certaine. À quelle heure ça aura lieu? Je ne peux pas encore vous le dire, parce que je n'en sais rien. Et tu sais ce que va dire l'ange? Je n'en suis pas sûre, mais très certainement il va nous donner un autre message. Mais je n'en sais rien, on verra bien. Et alors, ça se passera où? Sergent, à vos ordres, brigadier. Allez dire à toutes ces personnes de se diriger tranquillement vers le champ, peu à peu. Et surtout, n'oubliez pas, maintenez l'ordre. Conchita, que fait-on maintenant? Eh bien, dirigez-vous vers le champ comme les autres. Bon, on y va. Voilà, Conchita. Les prêtres? Aussi les évêques? Le 2 juillet? Oui, oui. C'est ça, exactement. Ce que je veux, c'est qu'elle soit traitée comme les autres élèves.
Précisément, oui. C'est pour ça qu'on a changé son prénom. Et surtout que personne ne s'adresse à elle sans mon autorisation express. C'est d'accord ? Maria ? Oui. On t'attend dans la salle de visite. Bonjour, Conchita. Bonjour, Monseigneur. Je suis désolé de t'avoir fait sortir de la classe. Tu étais en train d'étudier quoi ? L'histoire. Ah, l'histoire. Moi, ça me fascine, l'histoire. Et toi ? Oui, ça me plaît. Ça te plaît. L'histoire, c'est très bien. Bon, je suppose que tu auras deviné pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui, non ? Je suppose également que tu connais le père José. Bien sûr. Je suis son prêtre et nous nous connaissons. Je suis certes nouveau, mais nous sommes bons amis, non ? Nous avons besoin de ton aide, de ta coopération. En quoi puis-je vous aider ? Nous voulons que tu nous racontes la vérité. Tout ce que tu as raconté au père José, il y a 15 jours, au village, avant de venir ici. Nous avons déjà parlé à tes amis. Nous avons été avec Marie Cruz, Marie Loli et Jacinta. Elles nous ont raconté beaucoup de choses. Beaucoup. Maman nous témoigne infiniment. Beaucoup, maman. Tu veux nous raconter quelque chose aussi ? Sacré message que t'a donné la Vierge Marie. Je trouve ça assez violent. C'est tellement violent que ça m'étonne qu'une jeune fille l'ait inventé. Donc, ça doit forcément être... Comme il n'y a pas eu d'accomplissement, ni même de divulgation de mon message... du 18 octobre, je vous dirai que celui-ci est le dernier. Comme il n'y a pas eu d'accomplissement, ni même de divulgation au monde de mon message du 18 octobre, je vous dirai que celui-ci est le dernier. Auparavant, la coupe se remplissait. Maintenant elle déborde. Il y a beaucoup de prêtres. Il y a beaucoup de prêtres. Ah, voilà. Voilà maintenant mon passage préféré, tu sais. Il y a beaucoup de prêtres et d'évêques également, non ? Et beaucoup vont par le chemin de la perdition. Et avec eux, ils entraînent de nombreuses âmes. Voyons, ma fille. Tu crois vraiment que la Vierge aurait pu te dire une chose pareille ? C'est toi qui l'as inventé. Tu es une sale petite menteuse. Beaucoup de prêtres et d'évêques vont par le chemin de la perdition. Et ils entraînent avec eux de nombreuses âmes. Les personnes donnent de moins en moins d'importance à l'Eucharistie. Nous devons éviter que la colère de Dieu ne s'abatte sur nous, en multipliant nos efforts. Si vous lui demandez pardon de manière extrêmement sincère, il vous pardonnera. Moi, votre mère... Par l'intercession de l'archange Saint-Michel, je veux vous demander de vous amender. Vous voilà face aux derniers avertissements. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Priez-nous sincèrement et nous vous promettons que nous vous exaucerons. Il vous faut vous sacrifier plus. Pensez à la passion de Jésus. Bon, voyons voir un peu, Conchita. As-tu vu la Vierge Marie à Saint-Sébastien de Garabandal ? Tu as raison, je vais y aller vite.
Conchita, toute cette histoire, ça risque de déplaire à pas mal de monde, tu sais? Oui, je sais. À vrai dire, je n'ai pas encore tout à fait compris. Mais si c'est la Vierge qui le dit, c'est que c'est vrai. Et toi, tu te sens bien? Oui, sauf que je me sens un peu perdue parce qu'elle nous a dit que... qu'on allait la renier. Tu sais, Conchita, supposons que dans un moment de doute, tu finisses par nier tout ce qui s'est produit. Eh bien, moi, je ne nierai pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vécu ici. Et si jamais tu le fais, parce que tu vis un moment de doute, de confusion, d'obscurité, et y compris de profonde souffrance, pour moi, ça ne changera rien. Bonjour, Conchita. Bonjour, maman. Je suis venue t'apporter les chapelets pour que tu les bénisses. Oui, je vois. Conchita, te souviens-tu de ce que je t'ai dit le jour de ta fête? Que ta souffrance sur Terre serait importante? Eh bien, je te le répète. Aie confiance en nous et tu l'offriras de bonne grâce à nos cœurs pour le bien de tes frères. Parce qu'ainsi, tu seras davantage unie à nous. Conchita, je ne viens pas seulement pour toi. Mais je viens pour tous mes enfants, avec le désir de les rapprocher de nos cœurs. Parle-moi, Conchita, parle-moi de mes enfants. Je les porte tous sous mon voile. Il est petit ton voile, il n'y a pas de place pour tous. Conchita, tu sais pourquoi je ne suis pas venue le 18 juin pour te donner le message pour le monde? Parce que ça me faisait de la peine de devoir vous le dire. Mais je dois vous le dire pour votre bien et pour la gloire de Dieu, si vous l'accomplissez. Je vous aime beaucoup et je veux votre salut. Conchita, toi, tu me répondras, n'est-ce pas? Oui, si je pouvais te voir sans arrêt. Mais sinon, je ne sais pas, je ne suis pas très gentille. Alors fais tout ce que tu peux et nous, nous t'aiderons. Comme nous le ferons pour mes filles Loli, Jacinta et Marie Cruz. Conchita, pourquoi ne vas-tu pas plus souvent rendre visite à mon fils, le Saint des Saints, alors qu'il vous attend nuit et jour? Cette fois-ci, ce sera la dernière fois que tu me verras ici. Mais je serai toujours avec toi et avec tous mes enfants. Ah, comme je suis heureuse quand je te vois. Pourquoi tu ne m'emmènes pas avec toi maintenant? Souviens-toi de ce que je t'ai dit le jour de ta fête. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dois lui montrer tes mains pleines d'œuvres faites par toi en faveur de tes frères et pour la gloire de Dieu. En ce moment, tu as les mains vides. Mais je serai toujours avec toi et avec tous mes enfants. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir parmi nous le médecin principal de la Commission sur l'étude des phénomènes de Saint-Sébastien de Garabandal, le docteur Morales. Je vous remercie. Je vous remercie tous. Ce que nous savons de Garabandal, ce que vous connaissez tous... ce qui a été condamné les 20 dernières années par les autorités religieuses, a été fondé sur les rapports de la commission qui a étudié les événements, ainsi que sur mes rapports. Eh bien, aujourd'hui, je le rends donc public. Ces rapports ne sont pas conformes à la vérité. Monseigneur l'évêque et moi, nous avons décidé que je vous ferai part de 3 points. 1. Garabandal est véridique. Qu'il faut le mettre au même niveau que Fatima et Lourdes. 3. Ce qu'ont expérimenté ces enfants sont des objectivations, d'expériences subjectives. Je demande également que le cas de Saint-Sébastien de Garabandal soit étudié de nouveau. Puisque ce qui s'est passé dans ce village est absolument inexplicable.
1961, nuestra madre está al llegar. Han venido por ella personas del mundo entero. Nuestra madre está al llegar. Muchas pruebas nos dará tu amor. Abre nuestro corazón a él. No te vayas, no. Quédate por siempre a nuestro lado. Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandal estarás por siempre a nuestro lado, Madre del Señor y Madre nuestra. ¿Cuántos años de pruebas de amor, de esperanza y lucha? Nuestra Madre es nuestro hogar. ¿Cuántas almas oyendo tu voz volverán de nuevo a tu Hijo nuestro Dios? Si algún día negaré tu amor, vuelve, Madre, a hablar en mi dolor. No te vayas, no. Siempre a nuestro lado, Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandal tú estarás por siempre a nuestro lado, Madre del Señor y Madre nuestra. Tú eres la esperanza nuestra. Contigo llegaremos y al final tú vivirás en medio nuestro, María. Queremos ser tu hogar. Tú diste a luz a la esperanza. Contigo se hizo carne la verdad. El triunfo es de la Inmaculada María de Garabandal. No te vayas, no. Siempre a nuestro lado, Madre, guárdanos en la esperanza. En Garabandal tú estarás por siempre a nuestro lado, Madre del Señor.